John. J'ai quelque chose de très important à te demander maintenant. Je sais ce que vous allez dire. Il faut pas le dire. Non, j'y tiens. Il faut que je te le dise. John, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu veux que je te sorte d'ici. Que je t'aide à t'enfuir. Et que je te laisse toute ta chance. Pourquoi faire une folie pareille? Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu, et qu'il me demandera pourquoi, comment j'ai pu tuer un des miracles qu'il a créés, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que c'était mon travail? Tu parles d'un travail. Vous pouvez dire au Tout-Puissant que c'était un acte de charité. Je sens que vous en souffrez. Et je sens en moi votre douleur. Mais il faut que vous arrêtiez. Je veux en finir avec tout ça. Je vous jure. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Il y en a trop. C'est comme si j'avais des bouts de verre dans ma tête. Tout le temps, pas trop. Vous comprenez? Oui, John. Oui, je crois. Je suis endormi après le déjeuner et j'ai fait un rêve. J'ai rêvé à Mr. Jingle. Oui, John. J'ai rêvé que Mr. Jingle était dans cette ville dont M. Howell avait parlé, Souriville, vous savez. Il y avait des enfants. Si vous avez vu comme il riait à le voir faire ses tours. J'ai rêvé que les deux petites fillettes étaient là. Et qu'elle riait, elle aussi. Je les prenais dans mes bras et les asseyais sur mes genoux. Il n'y avait pas de sang qui coulait de leur tête. Et elles étaient bien. On regardait tous Mr. Jingle qui faisait rouler sa bobine. Et on riait. On ne pouvait plus respirer tellement on riait. De ressentir ce que nous on ressent. Nous on t'aime. Tu le sens? Essuie-toi le visage avant de te lever, s'il te plaît. Oui. Phase numéro 1. Ça lui fait mal? J'espère. J'espère qu'il souffre déjà. John Caffey, vous avez été condamné à mourir sur la chaise électrique par un jury populaire. La sentence a été prononcée par un juge faisant autorité dans cet état. Avez-vous quelque chose à dire avant que la sentence soit exécutée? Je regrette d'être ce que je suis. S'il vous plaît, patron. Ne me mettez pas ça sur la figure. Ne me mettez pas dans le noir. J'ai peur dans le noir. Thank you.
D'accord, John. John Caffey, vous allez maintenant être électrocuté jusqu'à ce que mort s'en suive, selon les lois de cet état. Puisse Dieu avoir pitié de votre âme. Numéro 2.